faire un bac en art, là. Ça te donne rien. Tu fais un bac en théâtre? Tu dois aimer ça, le craft de nœud. Tu fais un bac en lettres? Et tu vas faire quoi avec ça? Vivre sur le chômage? Hey, parle-moi surtout pas avec ton petit bac en fine arts. Arrête-moi ça, mon petit Picasso, là, pis va faire une vraie job. Au yard, suivre sa passion, hein? Son besoin de crier. Quand on n'est pas capable de dormir parce que notre tête court à 100 000 à l'heure, parce qu'on a une idée de mise en scène, d'écriture, de sculpture. La vie d'artiste, c'est pas quelque chose de prestigieux. Consensus général, j'en suis consciente. Typiquement, là, quand on pense à une carrière accomplie, on se dit médecin, avocat, pas comédien dans Yamaska. Mais moi, je trouve ça beau pis honorable. Bon, je suis un petit peu biaisée, là, mais... Faire ce que t'aimes dans la vie, vivre de ta passion, c'est pas ça le but, non? Depuis que je suis jeune, mes parents me disent « Fais ce que tu veux dans la vie, là, en autant que ce soit légal. » Malheureusement, je peux pas accomplir mon rêve d'avoir un empire de narcotiques. Mais, vivre de l'art, mon, non, ça oui. Mais c'est pas facile, là. Tout comme c'est pas facile de devenir médecin. C'est des années de travail, de bûchage, de faillite pour avoir ce qu'on veut. Moi, là, il me faut pas un salaire de 6 chiffres pour me sentir accompli. Oh que non, les respectables! L'argent fait pas le bonheur. Ça t'achète peut-être un timeshare en Floride, là. Mais c'est pas l'important. L'important, là, c'est de se réveiller le matin puis d'avoir envie d'aller à son travail. Pas de faker une bronchite parce qu'on veut pas y aller, là. Je serais capable! J'ai un bac en théâtre! Il faut faire ce qu'on veut. Pis si c'est de l'art, vas-y. Reste que, on entend toujours, ton bac sert à rien. Mais non, il sert à plein de choses! Je veux vous faire voir une scène, ok? Fermez vos yeux, pis imaginez un monde sans art. Oh, c'est peut-être un peu trop vague, là. Imaginez un monde sans publicité. Sans cinéma, sans œuvre d'art, sans livre, sans musique, sans peinture. Ce serait bien gentil de dire. Mais bon, c'est peut-être votre trip, la vie en beige? Mais moi non. C'est quand on voit ça qu'on voit le besoin d'une société pour l'art. Parce qu'une société, ça se définit par son art. Fait que la prochaine fois que tu penses qu'un bac en art, ça sert à rien, là, regarde autour de toi. Puis vois qu'il y en a partout. Puis c'est ce qu'il y a de plus beau.